devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Goultard le Clochard. Tout simplement, un peu dégoûté, un peu dépité. Tout simplement parce que je venais de vous tourner un Goultard le Clochard qui a duré une vingtaine de minutes. Épisode exactement qui durait 20 minutes, 21 minutes, je crois. Et tout simplement, il n'y avait pas le micro d'activé. Donc, du coup, je vais vous faire un mini épisode de Goultard le Clochard, je suis vraiment désolé, qui va durer peut-être 5-10 minutes. Tout simplement pour vous dire ce que j'avais fait pendant cet épisode, de quoi je vous avais parlé. Je vous avais parlé sans doute de choses beaucoup plus intéressantes de ce que je vais vous parler dans cette vidéo, vu que c'était une vidéo qui a duré 20 minutes, etc. Donc du coup, tout simplement, ce qui était prévu de faire dans cette vidéo, c'était acheter les ressources pour la Strigide, donc qui sont ici. Et j'avais fait un petit résumé tout simplement de mon stuff que j'avais. Donc je vais le faire avec vous actuellement. Mon stuff multi-éléments, etc. Il se maintient à un casque Mrs. Freeze, à ma panoplie Glourson avec l'Exopéa sur la bague, l'Alliance, l'épée Glourson, l'épée du maudit seigneur guerrier. Ensuite, j'ai la coiffe Glour Céleste, le Gelano PAPM, la coiffe Mrs. Freeze que je n'ai pas FM, je suis vraiment un mauvais garçon. Et ensuite j'ai le Robus Majeur, le Robus Intermédiaire et Examinateur. Et je vous invite tout simplement dans les commentaires de cette vidéo, à me proposer deux trophées que je pourrais mettre ici, parce que c'est vrai que je bloque plutôt pas mal au niveau du choix du trophée. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez important dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me le demander, à me proposer deux trophées que je pourrais mettre avec une utilité qui est plutôt assez intéressante, parce que c'est vrai que j'ai du mal à choisir. Avec tous les trophées qu'il y a, j'ai du mal à trancher, donc voilà. Donc ce qui était prévu dans cette vidéo, tout simplement, c'était pouvoir acheter, finir les stuff. Donc il me manque que la panoplie Strigide et le voile d'angle. Donc il faut savoir que j'ai plus que le compte à passer au niveau des donjons Free Free 3. Au niveau de ma DD armure, que j'avais acheté level 78 la semaine dernière, elle est 92 actuellement. Donc ça veut dire qu'elle sera tout simplement level 100 avant la fin de la semaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mon épisode. J'ai acheté les ressources de Free Free 3 et du continent 1.29, tout simplement pour pouvoir commencer à crafter ma panoplie Strigide. J'ai expliqué aussi pourquoi je n'avais pas acheté de voile d'encre. Le voile d'encre, tout simplement parce que c'était une denrée rare sur Ulette. Le voile d'encre qui est très cher actuellement sur Ulette, pour un jet vraiment basique, moyen, pas très bien FM. Le voile d'encre, voilà, 18 millions prix de base, alors qu'un voile d'encre, ça s'achète moyen, ça s'achète à 13 millions. Jet de base, ça s'achetait à 12 millions il y a encore 2 mois avant le Ghoul Terminator. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui l'achètent, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont opti. Normalement, dans la logique des choses, tous les gens qui font du PvP, THL, ont au moins un voile d'encre, je sais pas. Mais là, 20 millions, c'est vraiment pas dans mes prix de base. Donc voilà. Au niveau des ressources que j'ai... D'ailleurs, j'ai même pas sauvegardé la liste, honte à moi. Au niveau des ressources que j'ai pu acheter ou que j'ai pu récupérer dans ma banque, tout simplement, j'ai déjà tout ça. Donc il me manque pas mal de ressources, donc des scapulades du compte à rebours que j'aurai avec les succès, mais qui sont quand même un peu chers, 6 millions les 10 en HDV. Les ailes de sinistre fou, il me manque tous les galets, il me manque des ailes de cycloïdes et les scapulas en fait. Donc il me manque plus grand chose pour faire la panoplie Strigide, mais mine de rien, c'est ce qui va coûter quand même le plus cher pour finaliser la panoplie. Il faut savoir que j'ai commencé la vidéo avec une vingtaine de millions de Kama, donc vous voyez que déjà là ici je suis plus qu'à 13 millions de Kama, donc ça a très très vite descendu, et qu'il faut que je garde tout simplement 5 millions pour passer le compte, vu que les sbires je les ai payés quand même, je les ai payés pas tous, et je les ai payés quand même à bas prix, à très bas prix, à 1 million, 2 millions pour certains,
par rapport au prix que c'est sur Ulette. Donc c'est pour ça que il faut encore que je garde quelques kamas. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué ces 15 derniers jours, avec le boulot, avec le conseil régional, avec l'école, etc. J'ai pas eu beaucoup de temps, donc eh bien c'est tout simplement pour ça que j'ai pas pu amasser beaucoup de kamas, et c'est pour ça qu'il faut que j'économise au moins. Il faut aussi que j'arrive à garder une base de kamas, par exemple si je trouve un voile d'angle vraiment pas cher, que je puisse me l'acheter, etc. Donc c'est tout ce que j'avais fait pendant cet épisode 18, qui était un épisode en fait complètement fail vu qu'il n'y avait pas de micro. Donc je m'en excuse vraiment. Je vous fais tout simplement ce mini épisode récapitulatif de ce que je fais dans ma vidéo, et bien tout simplement pour pas que vous criez t'as fait tout ça sans faire de vidéo, ou pour pas que vous ayez un épisode de Goulthard le clochard sans son. Donc veuillez m'excuser pour ce petit fail. C'est vrai que dans certaines vidéos, par exemple des Colisums, etc., quand on oublie, du moins j'oublie jamais d'activer le micro, mais des fois il est mal branché. Et quand c'est vrai, quand on oublie de, quand on vérifie pas et que le, que c'est parti, qu'on fait une vidéo pour un Colisum, c'est assez facile. C'est pas grave, on le met pas en ligne, on en fait un autre. Mais pour un épisode de Goulthard le Clochard, c'est un peu plus compliqué pour expliquer tout ce qu'on a fait dans l'épisode d'avant. Sachant que là, vous voyez, je sais pas combien de temps a pris mon épisode de résumé. Il prend déjà 6 minutes 20. Donc vous imaginez 6 minutes 20 sur un épisode de Goulthard le Clochard qui prend en moyenne entre 20 et 25 minutes. Vous perdez déjà un quart du temps. Donc c'est pour ça que je vous fais un épisode comme ça. Donc en tout cas, moi, j'espère que ce résumé vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, allez bye tout le monde, et faites-moi des dons pour que je m'achète un nouveau micro.